Après avoir exécuté un exercice en mode training, on pourra accéder à la section analyse. La colonne de gauche permet de modifier les informations visualisées dans le graphique central. Pic ou moyenne, permet de visualiser les valeurs de pic ou moyenne à effet sur le tableau aussi. Force, vitesse, puissance. Permet de visualiser les valeurs de force, vitesse ou puissance. Concentrique, excentrique, permet de visualiser les valeurs de la phase concentrique ou excentrique. Dans le tableau dans la partie inférieure de l'écran on peut voir les valeurs de chaque répétition, les valeurs moyennes et cumulatives de toute la série. Charge, charge établie. Force maximum, valeur maximum de force enregistrée par Kinéo. Dans les premières colonnes nous trouvons la valeur en tonnes de toute la série. Vitesse maximum, valeur maximum de vitesse. Dans les premières colonnes nous trouvons la moyenne de toute la série. Puissance maximum, valeur maximum de puissance. Dans les premières colonnes nous trouvons la valeur cumulative de toute la série. Travail, valeur maximum du travail. Dans les premières colonnes nous trouvons la valeur cumulative de toute la série. En appuyant sur la touche analyse d'on avance on a accès à l'analyse approfondie des valeurs enregistrées. Dans le nouveau tableau on trouve les valeurs de chaque répétition. Temps, temps de la phase concentrique ou excentrique. Déplacement, déplacement dans la phase concentrique ou excentrique. Temps pic de vitesse, temps d'achèvement du pic de vitesse. Au pic de vitesse, déplacement nécessaire pour atteindre le pic de vitesse. Temps pic de puissance, temps d'achèvement du pic de puissance. Au pic de puissance, déplacement nécessaire pour atteindre le pic de puissance. Temps pic de force, temps d'achèvement du pic de force. Au pic de force, déplacement nécessaire pour atteindre le pic de force. Dans la section inférieure on peut sélectionner la phase qu'on veut visualiser, concentrique, excentrique ou les deux. Quelle série visualiser parmi les séries exécutées? On pourra aussi visualiser les valeurs numériques sous forme d'histogramme. En appuyant sur la touche analyse graphique est possible visualiser les courbes de force, vitesse et puissance de chaque répétition sélectionnée sur la fenêtre précède. Sur le panneau latéral sera possible sélectionner la répétition à analyser et les paramètres à visualiser sur la phase concentrique et excentrique.